Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette soirée de football. Bon, on va pas se mentir, la pluie qui s'abat sur le terrain depuis maintenant plusieurs heures ne devrait pas nous offrir une pelouse parfaite. On a même vu tout à l'heure les arbitres inspecter le terrain avec l'air plutôt grave. La cérémonie du rebond du ballon, et a priori le ballon roule, le ballon rebondit bien. Alors le feu vert a été donné, le coup d'envoi aura lieu donc d'ici quelques instants. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. C'est parti pour cette rencontre. C'est pas mal comme affiche pour débuter cette seconde partie de championnat. La passe dans la profondeur. C'est le moment de centrer. Il cherche un coéquipe. Allez, la tête! Bien repoussé par le gardien. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Le bon dégagement. Quelle inspiration! La bonne interception. Luis Suarez. Barcelone qui enchaîne les résultats ces derniers temps avec pas moins de 5 victoires consécutives. Vidal. Il joue dans l'espace. Il est bien placé. Oui, il peut frapper là. Le but pour Barcelone. Et l'ouverture du score pour le FC Barcelone. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. La défense bien présente. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Il joue dans l'espace. Le ballon a franchi la ligne. Messi qui choisit le côté gauche. Barcelone qui cherche l'ouverture. Ça sent la frappe. Coutinho. Barcelone qui peut féliciter sa défense. Elle n'a pas cédé au cours des 5 dernières journées. Markel Bergara qui cherche la faille. Il glisse le ballon en profondeur. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Là, il peut centrer. La passe est précise. On a passé l'heure de jeu. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Allez, c'est dangereux! Oh, le but! Le but! Et oui, il n'y a pas que le kick and rush dans la vie. En enchaînant quelques passes, on peut aussi faire des dégâts.
c'est reparti. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Messi! Jordi Alba. La passe dans la profondeur. Jordi Alba. Oh, le petit ballon piqué. C'est joué long, attention. C'est une remise en jeu. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Messi. Jordi Alba. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Le jeu repart vers la droite. Il joue dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, le bon ballon! Il y a danger. Un peu d'oxygène pour sa défense. La passe dans la profondeur. Centre travaillé dans la surface. Et c'est directement récupéré. C'est bien fait, ça. Il peut tirer. Bien servi. Et il prend sa chance. C'était une bonne occasion, dommage. Pour trouver la faille dans la défense. Le ballon sort du terrain. Envoyé dans la... Et la tête! C'était une énorme occasion, mais c'est manqué. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Oh, Messi! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Allez, un dernier mouvement, une dernière accélération pour forcer la décision. Allez, c'est peut-être la dernière occasion. Un centre au cordeau. Il est à distance de tir. Faut tirer là. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Et si ce but scellait le score, est-ce qu'on en restera là? Messi. Encore quelques instants, ils pourront fêter la victoire. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Alors évidemment, ils auraient aimé gagner avec une marge plus importante, mais l'important... c'est d'empocher cette victoire, c'est de s'imposer à l'arrivée. Ce match a donc livré son verdict dans les derniers instants. Voilà Varenne, cette soirée est terminée et merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt, salut. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir.
Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là. On va vivre un très beau match de football. Des tribunes bleues et grenats, un hymne qui retentit. Pas de doute, on est dans un des temples du football, au Camp Nou. Évoluer en 4-3-3. C'est un système assez classique où les trois attaquants jouent un rôle très important. Surtout les deux ailiers. Plus ils jouent écartés, plus ils laissent espace à leur attaquant de pointe. Et la perte du ballon, ça permet d'avoir trois joueurs pour presser assez haut. Et la clé, c'est leur complémentarité. L'arbitre donne le coup d'envoi. Ces deux équipes se retrouvent, elles se sont déjà affrontées plus tôt dans la saison. Un derby est toujours un match à part et celui-ci ne devrait pas faire exception. Ah, finalement un centre qui ne donnera rien. Didac. Barcelone, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Lopez. Coutinho, c'était un joli tac. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est bien fait ça, le bon dribble. Oui, il peut y aller seul. Et il prend sa chance. Oh, le gardien est là, la classe. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Interception au bon moment. Darder qui met un terme à cette attaque patiemment construite. Pour trouver la faille dans la défense. Oh oui, c'est une occasion ça. C'est au fond. Et voici l'ouverture du score. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. C'est la plus hermétique du championnat. Fernandinho. La faute est sifflée. Il glisse le ballon en profondeur. Bien servi. Un centre. Ça peut être dangereux. Qui a inscrit son sixième but de la saison en championnat. Voilà, c'est reparti. Didac. Granero, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Vidal. La passe dans la profondeur. Martial, bien servi sur le côté. Victor Sanchez. Ça peut partir en contre. Oh, Vidal. Fernandinho. Il tente de la jouer dans l'espace. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes.
c'est reparti, ils peuvent contrer. Il s'échappe. Oh, c'était dangereux, quel geste. Un long ballon vers l'avant. Ça peut être extrêmement dangereux. La passe est précise. Il s'impose physiquement dans ce duel. Oh, le bon ballon. Luis Suarez qui choisit le côté gauche. La frappe, attention. Le but pour Barcelone. Voilà la situation complètement inversée. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Fernandinho qui inscrit là son premier but de la saison. C'est joué long, attention. Il reçoit le ballon. Il est passé. Il est sur le côté. Et ce ballon devant le but. Quelle occasion, attention. Oh, but. C'était le moment parfait pour marquer, il faut tenir maintenant. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Mais c'est le joueur à marquer de près. Un attaquant de ce calibre, si vous lui laissez une chance de briller, eh bien, il vous le fait payer. Ça, c'est sûr. Dans la surface, c'est dégagé. La passe dans la profondeur. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Sincèrement, il mérite tous les superlatifs après un tel scénario. Rester calme dans un tel match et renverser la situation. Quel match ils ont réalisé. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il n'y a plus de classement qui tienne, on fait table rase du reste et on se donne à fond. C'est exactement ce qu'ils ont fait, alors bravo pour cette victoire. Merci Darren Tulette d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous surtout de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour du football. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez.